Le complot, la théorie du complot, notamment. Ah, le complot, c'est magnifique. Non, pas que ça n'existe pas, le complot. Dieu sait si en histoire, il y a eu des complots. Dieu sait s'il y a eu des gens qui se sont réunis pour en renverser d'autres. Dieu sait s'il y a eu... Bien sûr que ça existait. Mais ce qui est intéressant, c'est quand la théorie du complot se met à faire du café du commerce une véritable institution historique. C'est-à-dire, je ne comprends pas, et ça ne me plaît pas, ce qu'on me dit, par exemple, sur les deux tours du World Trade Center en septembre 2001. Alors, on m'a dit des choses, on m'a dit que c'était les djihadistes d'Al-Qaïda, etc., etc., mais moi, je ne suis absolument pas d'accord. Et donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bâtir ma théorie du complot. Et ça, vous savez qu'il y en a eu à 100 exemplaires. Non, c'est la CIA, c'est le Mossad, c'est ceci, c'est cela. Et d'ailleurs, on vous explique... Et regardez la foultitude sur Internet, d'ailleurs, de théories qu'il y a eu. Je prends cet exemple parce qu'il a été majeur. Mais j'en prends d'autres. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Les milliers de théories du complot qui ont dit parce que... Pourquoi? Parce que le complot rassure. Je ne comprends pas quelque chose. Je ne vois pas ce que c'est. Je vais bâtir une théorie. Et ça rassure à double titre. Ça rassure d'abord parce que ça me donne une explication. Et donc, dans un monde sans repère, ça me donne des béquilles. Ça me donne un monde en kit, je vais vous l'expliquer. Et puis par ailleurs, je suis celui qui sait. Je peux briller en société, je peux dire, attendez, moi, je sais. Vous, vous croyez savoir, vous nous racontez des histoires, mais moi, je sais la vérité. Et quand je l'ai bâti, formidablement, comme je l'ai bâti de manière, dans un mécano extrêmement subtil, je peux y aller. Le complot, c'est véritablement une espèce de machine infernale et qui est à la portée de tous les crétins, de tous les salauds et de tout le monde. Donc on peut l'utiliser vraiment ad patres, on peut l'utiliser, c'est là à consommer sans modération et on le voit aujourd'hui vraiment à satiété et à infini.